Par ce concours, et en accomplissant ce travail de secrétariat de rédaction, vous avez touché du doigt l'importance du choix, de la présentation et de la hiérarchisation d'une nouvelle. Puisse votre intérêt et votre regard pour la presse se poursuivre et s'approfondir avec l'âge, car une information libre et objective, autant que faire se peut, est le fondement incontournable de notre démocratie, de même qu'une connaissance approfondie et réfléchie du monde où nous vivons est la base irremplaçable de la vie citoyenne. Nul n'ignore l'importance de la presse dans la vie. Il y a une vingtaine d'années, 15, on avait l'impression tous que la presse écrite allait progressivement disparaître et s'effacer devant les nouveaux modes de communication. En fait, il n'en a été rien, parce qu'il y a peut-être moins de journaux qu'il y a une vingtaine d'années, mais il y a toujours des journaux et les journaux sont toujours lus. On a découvert des unes qu'on aurait presque pu prendre le soir en conférence de rédaction. On ne va pas vous dire qu'elles étaient meilleures, mais pas loin. Il y en a quelques-unes qui étaient vraiment qui avaient vraiment une approche éditoriale cohérente, pertinente. On échangera peut-être autour tout à l'heure. C'est la première fois que je participe avec le journal du Centre. Donc on est assez fiers quand même parce que le premier prix... Mais c'est aussi grâce à notre professeur qui nous a beaucoup aidés aussi. Ça donne envie d'aller regarder le journal parce qu'on ne se rendait pas compte tout le boulot que c'était, rien que la une du journal. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de pages dans un journal et franchement, ça doit être beaucoup de participation et de soutien. Explique-moi un petit peu, pourquoi vous avez fait ce choix de titre déjà ? Déjà, premièrement, parce que c'était le sujet qui était dans l'actualité le plus important pour nous. Et parce qu'on voulait aussi, on pensait aussi à mettre Sarkozy en une. Mais on a pensé que, comme on le voyait un peu trop partout, on a préféré mettre ça. Est-ce que ça t'a appris cette expérience ? Est-ce que tu veux te diriger vers les métiers de la presse ou pas ? Au départ, oui, mais maintenant, je préfère faire un autre métier, plus tourner vers les animaux. Mais là... ça m'a appris surtout à rédiger un article, à voir comment la presse était importante dans la vie quotidienne. Et c'est difficile alors de rédiger un article et de faire une comme ça ? C'est difficile de résumer les articles, oui, effectivement.